Mars 2018, c'est un petit équipage d'irréductibles observateurs qui se rend cette année au chevet des récifs au large de la tribu de Goro. Objectif : étudier la vitalité des récifs et leur évolution au fil du temps. Chaque année, l'équipe retourne sur les trois mêmes stations d'observation. La première située en bordure de la cuvette du platier de Bekwe. La seconde, connue sous le nom de Moiremoa par les habitants du coin. Et enfin la dernière, localisée au niveau de la passe de Toemo ou Wejuo. Sur chaque portion de récif étudiée, les bénévoles appliquent un protocole scientifique standard et simple. Il leur permet de décrire les fonds sous-marins et d'inventorier les poissons et invertébrés qui font la vie d'un récif. Seules les espèces fournissant une indication sur l'état de santé du récif ou son exploitation par l'homme sont prises en compte. Cette année encore, l'équipe Acropora a pu constater la stabilité des trois récifs suivis depuis 2013. L'état général reste bon à Wejuo et satisfaisant à Bekwe ainsi qu'à Moiremoa. Chacun constitue un habitat dont la richesse en coraux vivants est stable dans le temps et ils sont remarquables par le grand nombre de poissons qui y trouvent refuge. Bien que situé à proximité de l'embouchure de la rivière Kwe et de ses apports en particules de terre, la station de Bekwe présente une belle couverture corallienne, dominée par des espèces de coraux adaptées aux eaux chargées en sédiments. Il foisonne également de jeunes perroquets, papillons, picots et chirurgiens. Le récif joue probablement le rôle d'une nurserie pour ces espèces. Le récif de Moiremoa est dit intermédiaire, sous la double influence des eaux côtières et des eaux claires de l'océan. Il semble jouer les pouponnières pour les bénitiers encastrés et les poissons perroquets. Il est par ailleurs très stable à tout point de vue, qu'il s'agisse des coraux, des poissons ou des invertébrés. On ne constate aucune évolution majeure depuis 2013, hormis la disparition des bénitiers rouleurs. Cette espèce est une prise de choix pour les pêcheurs. En s'éloignant plus encore pour rejoindre le haut de la pente de Wejuo, notre équipe évolue sur un récif complexe, riche et en très bonne santé, où les eaux sont claires et bien renouvelées. La richesse du peuplement corallien et sa diversité de formes favorisent l'abondance et la variété des poissons qui y trouvent le gîte et le couvert, dont de gros spécimens de perroquets, d'awa, saumonets, mais aussi de requins et raies. On se réjouit d'y constater une croissance corallienne sur les 5 dernières années. Cette année encore, le suivi Acropora a confirmé la stabilité de l'état de santé des récifs choisis dans la région de Goro et suivi depuis 2013.